Salut à tous, une vidéo que je ne voulais pas faire parce que là, je paie les conséquences de mon honnêteté de ma franchise sur la AccessDB Linux, dont vous trouvez dans les descriptifs. J'étais tranquillement sur le net et j'ai reçu ce message d'insulte. Voilà, je vous laisse apprécier. Là, je vais mettre un peu plus gros comme ça, vous pourrez lire. Oups, ça, mince. Voilà. Donc, déjà, il y a insulte. Il y en a une, connard. Deux, vous êtes à vomir, ça fait déjà deux. Belle tête de vainqueur, ça fait trois. Tout ce qu'il a fait, j'ai 7 heures d'un cap. Donc, déjà, ça fait notre réponse. Donc, j'ai dit que j'allais déposer plainte. La réponse a été la suivante. No problemo. Voilà. En clair, il me menace de faire publier, menace de publication judiciaire. En cas de procès. Pourquoi pas? Je n'ai pas mis ça sur mon blog. Mais je peux très bien en faire une vidéo sur le blog et dire que quand on atteint, maintenant qu'on n'a plus le droit de critiquer une distribution qu'on considère pas très éthique, même si le but éthique est poursuivi à l'origine. Déposer plainte, voilà. Donc, je suppose par rapport à l'histoire que je disais qu'il va quand même avoir un petit peu de pognon qui a été mis de côté par l'association. Alors, c'est une espèce de maladresse, mais continuons. Voilà, donc, déposez votre plainte, engagez vos poursuites. Et j'ai répondu, quelles autorités compétentes? Tout ça par rapport à ce que je pense à AccessDB Linux? AccessDB, aucune réponse. Donc, la dernière réponse, là, ça va là. Il faudra, vous verrez. Donc, on peut supposer que c'est Châteauroux. Parce que se trouve Châteauroux, on se trouve la SIA, je crois, l'association derrière la AMD Linux. Et là, je crois que j'ai reçu encore un autre SMS. Voilà. Je vous fais lire ce qui est marqué. Alors, Châteauroux, je pensais que vous étiez du côté de Bordeaux. Faites-moi plaisir, courez-le. Voilà. J'ai la preuve que c'est AccessDB. Je vais rajouter la vidéo. Voilà, c'est la preuve que c'est AccessDB. Je l'envoie et je vous le montre directement. C'est l'AccessDB qui m'attaque. Donc, eh bien, s'ils veulent déposer. Ils veulent m'attaquer, mais qui m'attaquent? Je suis au RSA. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je ne peux rien à donner. Strictement que dalle. Donc, je vais envoyer le message et vous montrer la dernière capture d'écran que j'ai eue. Excusez 30 secondes. Donc là, voilà. Donc on ne peut plus rien dire maintenant, on ne peut plus critiquer les distributions Linux. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et maintenant je ne parlerai plus de mon distribution Linux. Je mettrai cette vidéo sur mon blog. Avec le lien vers la vidéo. Et c'est fini. Je ne parle plus de distribution Linux. Si on veut faire passer la censure, très bien. S'il veut jouer la censure, Maître Isobé qui joue la censure. Personnellement, je ne lui dirai plus rien sur la distribution Linux. Voilà. Normalement, alors je vais passer par Firefox, récupérer le dernier message et vous le montrer directement en live. Voilà. Mais moi je commence à terminer bien l'année 2016. Ils vont déposer une plainte contre moi. Voilà. Et je vous montre le dernier message. Donc, on va télécharger. Voilà. Donc, clac. Voilà. Et ma réponse a été, je la cite. Contre une personne au RSA, point d'interrogation, et je vous montre mon dernier message. Voilà, normalement, ça devrait y aller. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, si l'association qui est derrière la AccessDB Linux veut déposer plainte, qu'elle le fasse, elle ne gagnera strictement que dalle, étant donné que je suis au RSA, que je touche 450 € par mois. Voilà ce que je touche, je le dis, je suis honnête.
Maintenant, si ces personnes veulent m'attaquer, elles m'attaquent. Eh bien, ça sera leur problème. Personnellement, qu'elles m'attaquent, je n'ai plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Elles veulent faire jouer la censure. Tout ça parce que j'ai osé montrer qu'elles veulent détruire les preuves qu'elles ont mises en place. Très bien. Qu'elles fassent jouer la censure. Qu'elles déposent plainte. J'ai ma conscience pour moi. J'ai déjà été attaqué pour pire que ça, à tort. Je ne préciserai pas ce que c'était, parce que ça ne concerne pas Internet. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et je remercie l'association derrière l'Andi-Linux de m'attaquer, enfin l'Andi-Linux de m'attaquer. Tout ça pour avoir osé exprimer mes doutes et mes remarques. Salutations!